Yo tout le monde, c'est Adrien from Frozen Monster qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une première sur ma chaîne YouTube, vu que je vais poster pour la première fois un gameplay, on va dire plutôt, je vais vous proposer un zombie donc sur Black Ops 2. Donc c'est une première parce que je n'ai jamais proposé de zombie sur ma chaîne YouTube. Donc ça va être un peu une genre de découverte. Donc déjà je vais vous dire tout simplement que le zombie, j'ai commencé vraiment à m'habituer sur Black Ops 2. Parce que sur Black Ops 1 je l'ai eu, Black Ops 1 vers la fin. Donc c'est à dire au mois de juillet. Quand MW3 allait sortir donc au mois de novembre. Donc voilà je l'ai eu vraiment vers la fin. Donc j'ai plutôt profité du multi. Que du zombie, j'ai fait quelques parties mais vraiment que dalle par rapport donc à Black Ops 2. Donc là je peux vous parler un peu plus de donc de zombie de Black Ops 2. Et donc voilà donc je vais proposer comme je vous ai dit dans la spéciale 200 abonnés que le multi m'énervait beaucoup, que je faisais que je joue en multi juste quand tout simplement quand j'y avais des opérations de clan, donc pour mon clan. On va dire que j'ai découvert le zombie grâce aux opérations de clan parce que bon, il fallait faire une opération donc qui dure une semaine. Donc il fallait faire 10 000 kills en une semaine en zombie. Et c'est grâce à ce. Enfin, on va dire c'est entre guillemets grâce à ces opérations que j'ai pu découvrir le zombie de Black Ops 2. Et qui m'a donné envie de continuer et d'arrêter le multi qui me fait énormément rager par rapport aux zombies. Donc voilà. Donc sur cette partie, donc vu que je vais poster régulièrement des gameplays sur le zombie, je vais commencer doucement. Donc vous inquiétez pas, ça va pas être un gameplay énorme. Je vais faire que 12 manches, il me semble. Oui 12 manches donc voilà c'est pas voilà c'est que 12 manches je crois que mon record c'est 24 d'ailleurs je vais vous le poster je pense que je vais vous poster pour la spéciale 500 abonnés, je sais pas encore mais on risque d'y arriver vite, je préfère vous dire en avance on risque d'y aller et d'y arriver très très vite aux 500 abonnés, je pense que voilà. Pardon, excusez-moi, donc déjà je vous présente. Je suis enrhumé, donc ça arrive fréquemment sur ma chaîne. Pour rappeler, donc la mêlée générale sur Plaza, où j'avais fait tentative, essayer de gagner une mêlée générale. Excusez-moi, au C4. Et j'étais enrhumé, mais là c'est encore enrhumé. Non, je pense que c'est le chaud et froid, vu qu'il fait assez beau en ce moment à Bordeaux. Et que il fait assez froid aussi. Donc en fait c'est le chaud et le chaud et froid. Mais on va dire alors on va inverser vu que c'est plutôt le matin qui fait hyper froid et que l'après-midi eh bien, il fait hyper chaud. Et pourtant il fait beau donc du coup je pense que c'est ça qui m'a foutu le rhume. Donc désolé si ça peut vous déranger. Donc voilà. Même si je suis enrhumé, j'aime commenter mes vidéos. Et c'est pas pour cela que je vais m'arrêter. Voilà, donc, je continue. Donc alors, il me semble que le gameplay dure. Enfin, il me semble pas. Le gameplay de ces 12 manches dure 22 minutes. L'upload dure à peu près 14-15 minutes. Dure à peu près 4 heures. Attendez. 6, 2, donc quand même plus. Entre 5 et 6 heures pour 15 minutes. Donc je vais vous le couper parce que ça va me prendre trop d'heures à l'upload. Donc il dure de 20 minutes. Je pense que je vais déjà le commentary. Ça sera. Je vais pas le commenter. Je veux dire là voilà, j'ai la vidéo devant moi, mais comment on dit ça ? Ça sera pas, je veux dire, je vais pas dire oui, donc là je tue le zombie, tout ça, donc je vais pas commenter le gameplay, donc si c'est en différé, que c'est décalé, c'est pas grave, donc je parlerai pas du gameplay en lui-même. Je sais juste que quand je dirai que la partie sera terminée, c'est que
mon gameplay sera terminé aussi. Donc je vais, on va entre guillemets lancer une série, mais c'est pas vraiment une série vu que j'ai, en fait j'ai une série qui devrait se faire avec le youtubeur Dingo69. Donc ça serait une série, donc on va en parler à nous deux. Et on risque de faire donc une série. On sait pas encore de quoi on va parler, mais on a une petite idée encore. Bon, je vais pas vous lancer ce sujet parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises parce que ce n'est pas concret. Donc je vais en parler avec Dingo69. D'ailleurs, je risque de mettre sa chaîne YouTube dans la description. Au pire, si je la mets pas, allez sur ma chaîne. Donc déjà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et donc la chaîne de Dingo69 est tout simplement dans ma subbox. Donc allez voir et puis abonnez-vous si ça vous plaît, son travail. Donc voilà. Donc pour le zombie, je risque donc de lancer une série secondaire. Donc ça sera plutôt secondaire. Ça sera ma première série sur Black Ops 2. Donc déjà priorité donc la série de Dingo69 et moi. Ça sera une série primaire, donc j'avantagerai plutôt cette série et celle du zombie. Voilà, donc c'est pas ce sera pas une série, mais disons que je risque de poster souvent des gameplays. Et donc, je crois, il me semble que je vous l'avais dit. Donc, déjà, tout à l'heure, j'ai dit que je mettrais la spéciale 500 abonnés. Donc, je mettrais cette manche où j'avais fait 42. Et alors, attendez, il me semble. Oui, voilà, regardez, j'ai énormément de chance. Alors, je pense que ça sera pas en différé parce que je vais couper vers. Attendez, il y a 6 minutes. Et regardez, j'ai la RPD en premier. Je refais une boîte et j'ai le laser. Donc, j'ai eu énormément de chance. C'est la chance. Cette boîte est fait pour cela. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, donc voilà, donc je pense que je vais pas mettre mon gameplay où j'avais fait 24 manches zombies. Donc ça, c'est mon record personnel. Donc ça, je vais pas le mettre. Je pense pour les 500 abonnés, je le mettrai quand j'aurai 300, 400 abonnés. Et par contre, pour donc, la spéciale 500 abonnés, je mettrai. Un live en zombie, donc vu que je sais pas si je pourrais la mettre en ligne ou pas, donc je sais pas encore si cela est possible, mais ça je verrai, je vais m'en occuper pour cela. Donc alors attendez, on est à 7 minutes, bientôt 8 minutes de commentaires. Donc voilà, donc je pense que je vais couper le commentaire vers à 14 minutes et vous verrez la fin de la manche, je pense. Ouais, voilà, je vais essayer de faire une vidéo de 13-14 minutes, pas plus, parce que après ça c'est vraiment trop long. Non, je pense que je vais, ouais c'est ça, je vais mettre je pense que je vais mettre 13 minutes. Il reste combien de commentaires? Là, il reste encore ouais, bon voilà, donc voilà. Donc je risque de lancer donc ça, mais c'est pas concret comme je vous dis. Donc déjà la série de avec Dingo, c'est pas concret du tout. On ne sait pas de quoi on va parler, donc voilà. Et pour la série de zombies, c'est pas vraiment une série comme je vous l'ai dit, ça sera des petits gameplays de zombies comme ça que je vous lancerai. On dira que c'est une série. Donc je vais les numéroter épisode 1, épisode 2, mais c'est pas vraiment une série concrète. Ça sera juste des épisodes comme ça où je mettrai. Voilà, j'ai fait tant de manches dans cette partie et voilà. D'ailleurs, je pense que je dirais dans le titre manche 12, ou enfin je sais pas encore, zombie entre parenthèses manche 12, je sais pas encore le titre que je mettrai sur cette vidéo. Donc vous allez voir donc que en fait je meurs bêtement. Donc je pense que durant les plusieurs épisodes donc je vais faire sur les zombies, sur les manches que je vais pouvoir faire, je vais vous donner des conseils. D'ailleurs, je suis tombé en tête à tête avec le 25e mondial de survie en sur la ville, enfin sur ville en survie, et il m'a donné énormément de conseils. Et, je sens que je vais faire beaucoup plus de manches grâce à lui. Et ces conseils, je vais tout simplement vous les
vais dire, peut-être pas dans ce premier épisode, je vais vous en dire quelques-uns vite fait. Mais ça sera pas des conseils, ça sera des conseils vite fait quoi. Pour ce premier épisode, je pense que je ferai des conseils un peu plus développés dans les prochains épisodes. D'ailleurs, attendez, je vais... D'ailleurs, on est à 10 minutes 20, donc je pense que je vais arrêter à 12 minutes. Ça sera un petit truc, et puis vous verrez la fin de la manche, là, je couperai à un moment le gameplay. Donc voilà, et donc voilà, je pense que je vais vous dire quelques astuces. Déjà, je peux vous dire la première, il me reste 1 minute 20. Donc, déjà, quand vous voyez qu'il y a énormément de zombies derrière vous, déjà, première astuce, ne jamais faire des kills, ne jamais regarder devant soi, enfin que devant soi. C'est-à-dire que vous avancez, vous voyez rien, mais voilà, comme vous voyez là ici, je me retourne à chaque fois. Il faut toujours avoir ce réflexe de se retourner, tout simplement parce que les zombies peuvent spawner, donc enfin entre guillemets spawner, peuvent arriver des fenêtres, donc là comme là je les referme. Ils peuvent arriver, donc voilà, d'ailleurs j'en tue un là. Ils peuvent arriver là et donc vous pouvez vous faire reprendre par derrière donc voilà, sans être pervers. Donc voilà, c'est d'ailleurs je vais mourir à cause de ça dans cette manche là donc je vais mourir à la 12e manche et je vais mourir connement, il y a rien à dire. Ça sera donc ici là dans les escaliers, je vois plein de zombies, donc direct j'ai l'intention de les tuer, d'ailleurs c'est un peu le but du zombie, mais je n'ai pas, enfin j'ai regardé en premier s'il y avait personne derrière moi, j'ai fait au moins une dizaine de kills de zombies, sauf que je suis resté à peu près 10 secondes, et 10 secondes c'est trop, c'est à dire que vous restez 1, 2, 3 secondes, vous regardez directement derrière vous, vous attendez pas que vous soyez rouge, tout ça, donc ça c'est primordial en zone. Donc là je suis à 12 minutes et 20 secondes, je pense que je vais m'arrêter là, je vais couper je pense le gameplay ici, et je vous mettrai donc la dernière, pas la dernière manche, mais du moins le moment où je vais mourir. Allez, ciao. Yeah.
pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si la vidéo vous a plu, et surtout de lâcher des commentaires, des likes, et d'aller voir ma Subbox, car je vais normalement, si tout va bien, les chaînes YouTube que je vous conseille. Allez, ciao et à une prochaine vidéo.